Cette émission vous est proposée par Case Créole Construction, les maisons les moins chères de La Réunion. Artisanal national de Madagascar, de Tana quoi. Artisanal, hein. C'est là où on trouve tous les statues, tous les trucs en bois. Ouais. Ben on va découvrir ça là. D'accord alors. Okay. Hein, parce qu'on a notre guide avec nous. Alors, hein, maman. Hein, c'est toi qui nous guide là alors. Oui, 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 c'est moi. Hein, d'accord alors, tu vas nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Hein? Il y a des petits artisanaux, ce sont des créateurs. Ah oui. Au Sénam. D'accord. On va voir tout à l'heure. Ah ici alors? Ah, c'est grand ici. C'est en pleine ville. En pleine ville. Et on peut trouver tous les objets artisanaux de Madagascar. De Madagascar, on peut trouver tout ici. Et on trouve les artisans aussi ici, ceux qui fabriquent. On va demander là-bas. D'accord, alors. On va aller les voir. Plutôt, où que ça avait besoin ou... On va aller dans un milieu. Est très intéressant, il y a 500 artisanales. Ah ouais. Donc on découvre pas mal de choses. Ouais. Mais après vous prenez pour ces histoires malgaches. Le bois, le raffia beaucoup, un petit peu toutes les choses. C'est on peut trouver dans les grands marchés. Va-o. Là ils mettent numéro 3. Ouais. Il est 3. Île 3. Mais bon. Hein? Christian, vous t'éroyez un petit peu le bois ou? Ouais, ouais. On va pas trouver? Non. Ah, mais il y en a plus loin. On va les rôder plus loin. Les grands ici. Très très grands ici. On fait le tour. On va dire, s'il n'y a pas trouvé ce que nous allons chercher. Là, il est en train de faire quoi là, Amon? Il est en train de faire quoi là, Amon? Rafia, moi, il n'y a pas de rafia. C'est des feuilles de. Comme l'arbre du voyageur, là, non? On trouve ça où ça, à Tamata? C'est dans l'eau, on fait éclater. Ah, on fait éclater dans l'eau? Ah oui. Ah, c'est ça. C'est ça le rafia. C'est ça le rafia, alors, hein? Ah ouais. Toto connaît Rafia ou non? Mais voilà. Voilà. Après, on fait des sacs, on peut faire beaucoup de choses avec le Rafia. Voilà. Mais c'est très bien. Tu as mis des Tony. Tu as mis 60 000 arias. 60 000 arias pour le Labrajour.
60 000 arrières, ça fait combien ça? Quel est le sac? 15 euros. 15 euros. Ouais, ouais, 15 euros pour l'arbachoir, à peu près. Et combien de journées de travail? Rien. Une journée. Une journée pour faire l'abat-jour comme ça? Pour tresser comme ça? Ouais, ouais. Et demande-lui si est-ce que ça s'est fait dans toute sa famille depuis longtemps? Il faut la paix, venir dans l'anti, ça va. Ça fait tout. 5 ans. Depuis 5 ans? Ah bon? D'accord alors. Et tu aimes ça? Ah bon? D'accord alors. Ok, merci bien. Ok, on y va alors? On continue? Allez, on bosse, la visite? On va chercher nos affaires. Voilà, ok. Allez, merci. Parti. Merci. Ça va tout? Ben ouais, mais là ça fait bon. Ça va? Le sac en coco, c'est interdit de ramener ça, hein, parce que tu sais que c'est une corruption interdite de les peaux de crocodile. Hein? Les chaussures aussi. Gagner, négocier quoi alors? Ouais, pas gagner, mais on va gagner plus loin. Plus loin. Non, on est dans le pays. Ouais. Donc on a acheté un petit peu, hein? Ouais, faut pas presser. Hein. Ouais. Ici, il faut négocier toujours? Bah. Toujours négocier? Pas, tout c'est comme ça. Pas, tout c'est comme ça? Ouais. On va trouver. On regarde encore ailleurs. On regarde encore ailleurs? On est sur la route. Ah ouais, oui. D'accord. Ok alors. Bon, Khalid. Bon, il manque quand même un petit truc. Ben, on va aller chercher ailleurs. Un petit peu ailleurs pour voir un petit peu dans l'artisanat. On va trouver, Nana. On peut trouver. Allez, on repart alors. Là, nous sommes dans le plus grand centre artisanal de Tananarive. C'est la route Digue. Hein? Voilà. Hein? Ici, il y en a de quoi. Hein? Ah oui. Ouais, ouais. Parce que ça manque. Hein? On va tout bonner aussi, non? Après, ici, pour nous gagner tout compte à faire, nous, là. On n'a plus besoin de vous ailleurs. Là, on a tout, là. Les bons, là. Hein? Tout ça, les bons. Hein? On espère tout vous faire. Un peignoir, là. Donc, alors, là, le rodé. Son affaire. Comment dit ça, son affaire? Mais va trouver son affaire, parce qu'il cherche des choses un peu particulières, de la sculpture et tout ça. Bon. Alors, ça c'est le palais du président, ça? Oui, là-bas. Ouais. Et il travaille là tous les jours, lui, le président? Non, mais juste un bureau. Ouais. Mais le palais principal, c'est à Yavoulou. Ah ouais? Dans l'autre côté, dans la partie sud. Ah d'accord, Tana, oui. Ouais. Et là, à chaque fois qu'il vient à Tana en ville, il reste là-dedans. Oui. Hein? Ah d'accord. Ok, alors. Très bien. Bon, on va aller manger, là. Ok, d'accord. Buffet de jardin. Oui, là-bas. Là-bas? Allez, on y va. On y va. Oui, c'est Claude. Où sont les gens? Là, on a fait le jardin. On a fait le repas au téléphone. Et comme ça, on fait, on appelle le monsieur pour réparer le téléphone. Il vient réparer le téléphone ici même sur place. Tilac. Ça s'appelle Tilac. Et tu répares le téléphone comme ça à domicile ou dans un restaurant comme ça là? Standard. Standard. Et tu te retrouves dans toutes ces pièces qui sont là? Mais il y en a beaucoup là, combien de temps tu vas prendre pour monter tout ça? Et en plus tu bois? C'est pas bien ça? Le vu cette mécanique là, voilà les fonds. Vous ne connaissez pas l'expression là? Mais tout le temps ça voit un point, je démonte comme pièce l'avion, mais après je remonte. Mais là c'est pièce téléphone? Téléphone,
Il connaît. Ah. Et il fait plus de 15 ans, il fait ça. 15 ans. Et vous connaissez Tilak depuis longtemps? Ben, depuis au moins une dizaine d'années, il vient à Madagascar. Il vous ramène toujours le téléphone pour réparer? Maintenant, il fait un téléphone, fait une petite révision. Ah. Ben, d'abord, à chaque fois, un écran cassé, un truc voilà, comme ça. Voilà. Ou amène ici. Voilà. Et là, pendant autant de manger, là, là oui. Avec Manna là-bas, ben. Ali à côté, ben, oui. Que ça lui fait, il répond au téléphone. Ben. Hein? Eh bien, dis donc, mais il y a beaucoup de pièces là, beaucoup de vis et tout ça. Mais tu as démonté le téléphone tout le temps entier là, non? Oui. Parce que la caméra était floue. Floue et. C'est difficile à faire, hein? Difficile à faire? Et tu fais combien de temps encore là comme ça pour faire ça là? Environ combien? Environ 30 minutes. Dans 30 minutes? Oui. Ah ouais. Eh ben. En tout cas, Madagascar regorge de talents. De talents, ah ouais. Oui. Nous mettez connaît Madagascar pour être. Un petit contre-jour là. Ce soir, nous avons toujours pensé que à Madagascar était réputé pour être des bons musiciens, hein, des talentueux, mais banal aussi dans la mécanique. Hein, oui, dans la mécanique. L'industrie, oui. Dans tout ce qui est haute technologie, hein, quand même. Haute technologie, parce que je pense qu'on peut dire que ben, les Malgaches sont quand même doués. Doués, ils prennent le temps d'apprendre. Ouais. D'apprendre à faire quelque chose. Même si on regarde des enfants qui vont à l'école, le soir ils vont étudier avec une lampe à pétrole ou une bougie. Mais c'est des enfants qui réussissent quand ils ont envie de réussir. Ouais, voilà, c'est l'envie. L'envie. Il y a une motivation derrière. Ouais, ouais. Ils ont envie de sortir de la misère. Ouais, ouais. C'est bien. C'est bien. Après, c'est une adresse dans laquelle quelqu'un qui est de passage, il a un problème avec son téléphone à Tana, ben, il téléphone M. Tilak. Ah bon voilà. D'accord. Non. Il m'a dit de ne pas mettre son numéro, sinon il sera ennuyé parce que trop de monde va l'appeler. Oui, mais il passe à laquelle. Ouais, ouais. Et il demande M. Tilak. Tout le monde connaît là-bas. Voilà. Et en plus, toi là, hein, ce n'est pas le premier téléphone que tu répares là. Parce que quand tu étais à l'hôtel, il est venu réparer tes téléphones pour toi à l'hôtel directement. Oui, hein, oui, sur ben, place. Quand je viens, je quitte la réunion, des fois, je viens avec des téléphones des amis qui sont en panne et tout. Je ramène avec moi et je sais faire. Ouais. Et il n'y a pas d'illégalité avec ça, hein, c'est légal. Non, on ne va pas parler que ça revient moins cher ou pas moins cher. Et je le fais confiance depuis 15 ans. D'accord, depuis 15 ans. C'est une question de confiance, ouais. Ouais, ouais. Parce qu'à La Réunion aussi, il y a des bons réparateurs. Bien sûr. On ne va pas dire que c'est. Mais aucun, à La Réunion, aucun ne viendra au restaurant pendant que tu manges, il répare ton téléphone à côté. Mais ils ne vont pas démonter non plus en pièces comme ça. Ah ouais. Pour remonter, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Ah ouais, ils ont là, des pièces, il y en a, là, voilà, pas derrière. Voilà. J'ai compté, il y a à peu près une cinquantaine de pièces. Tout à fait. Et ils connaissent toutes les pièces par cœur. Okay. Il fallait remonter un par un comme ça, là. Oui, oui. Parce que moi, si je démonte un téléphone comme ça, je prends la plaquette aimantée, je mets pièce par pièce sur la plaquette aimantée pour remonter après. Ah, d'accord. Mais lui, maintenant, c'est plus la peine. Il connaît tout par cœur. Voilà. Et bon, Calix. Et bon, merci bien. Bientôt. Et t'as vu les outils, hein? Un petit couteau. Oui, mais là, il utilise des petits couteaux, mais il y a des outils vraiment adaptés à toutes les vis, les grosseurs et tout, les têtes. Mais lui, il fabrique ses outils. Ah, tu vois, à Madagascar, il fabrique son outil. Ben voilà, exactement. Hein. Fena kuri tara tara inna angamba ifana mani devu pepa manu metu tu ki pedra pe pai be biba ke ajane fanya pe Tu me dan di la di la di la.
Une chanson de Dieu? Oui. Ah bon? Uh-huh. Et ils viennent chanter là ici tout le temps comme ça? Tout le temps, oui. Tout le temps? Dans la partie d'Antan Narelli. Ah bon? Oui. D'accord, alors. Uh-huh. T'as vu, ils viennent chanter Dieu sur la route ici, hein? Ah, dans le chemin. On les voit, hein? On les voit. Je les vois. Je les vois. Claude, je suis allé où là? Première fois, je fais nettoyer mon soulier. Parce que mon soulier, il a mis acheté neuf, qu'elle l'a fini dans un an. Là, hein, il n'a jamais été nettoyé, il est chez nous à la Réunion. D'accord. Ici, c'est la première fois, je fais nettoyer mon soulier. Parce qu'il y a tellement insisté pour que je nettoie mon soulier. Attends, monsieur, montre le gosse, montre le gosse. Le gosse, c'est fait. Hein? Montre le gosse. Le gosse, c'est fait. Ben... Pourquoi le pied gosse? C'est pas ça. Pourquoi le pied gosse qui est droite? Hein? Oui, oui, mais... Parce que le retour de maman, tu mets le gosse pour droite. Il s'en a une manière pour nettoyer le soulier. À moi, je me dis ça vraiment. Chaque fois, mon soulier est sale. Il vient une fois à Madagascar, une fois par an. Ben, assez. Pas assez. Et à moi, là, tous les semaines, si mon soulier est sale, ils battent mon pied dans le quai. Bon, pour nettoyer le soulier. Hein? Ben, ouais, ouais, éventuellement, oui. Bon, on a un bon monde la Réunion, la balle en merde, ou bien. Hein? Parce que Banaï, c'est trop gentil. Hein? Moi, bonne boucle dans mon compte là. La même nettoie mon soulier. Là où nettoie le soulier, là. Les bons. Allez, okay. Niatrou. Allez, les bons. Big up Canal Austral. Hein? Allez, big up Canal Austral. Moi, moi, malgas, moi. Calix, malgas. En tout cas, merci bien pour le cireur de chaussures. Parce que ici, c'est un vrai métier. Et quand on fait si haut de souliers, là, on participe aussi à l'économie de Madagascar. Parce que. Oui, l'important voilà. De faire travailler aussi les gens, les petits métiers, comme on dit. Hein. Il ne faut pas que les gens ils pensent, ah ouais, monsieur Jean-Claude, il fait nettoyer son soulier, depuis nettoyer son soulier. Non, il faut gagner un petit mollet. Normal, un petit travail. On est obligé de faire marcher cette petite économie. Et mais c'est un métier qui envoie la disparition. À La Réunion, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Et moi, là, c'est la ville. Ouais. À La Réunion, moi, tu fais nettoyer mon soulier. Hein? C'est pour ça que mon soulier ne nettoie jamais La Réunion. Moi, je d'avoir un astuce quand on est à La Réunion. Mais bon. Comme Yurana et moi, il fait chier. Moi, il y a beaucoup de soleil. Moi, il y a beaucoup plus gros que vous, plus gros. D'accord, Christian. Bon, merci bien. Allez. On se retrouve la prochaine fois alors. Big up, Jean-Claude. À bientôt. Toto, là où tu es là, tu es là, il brille. Ben. Il est bon, Toto? Comment vous billez? Vous payez un aya? Non. Ben, il est rose. C'est bon. C'est bien joué de travailler, il est bon. Ben voilà. Christian, voilà. Bon. Ah, ben, basket, ne nettoie pas. Sont à top, quoi. Merci beaucoup, sont à top. La prochaine fois, toujours là. Toujours là. Ok. Ça et l'eau, le savon. Le savon. Allez, au revoir bon. Tout le monde. Buffet du jardin, merci. Allez, nous nous retrouvons. Cette émission vous est proposée par Case Créole Construction, les maisons les moins chères de La Réunion.